concrètement, on utilise plusieurs méthodes de travail et plusieurs outils. Dialogue politique régional. Donc, nous avons une plateforme de dialogue politique régional pour promouvoir l'intégrité dans la région MENA, que nous appelons le réseau MENA OCDE pour l'intégrité des affaires, le MOBIN, et donc qui réunit des praticiens et des décideurs publics de la région MENA, spécialisés dans l'anticorruption, ainsi que des praticiens du secteur privé, donc des entreprises, des associations d'entreprises et la société civile, donc qui réunit tous ces acteurs très importants avec leurs homologues de pays OCDE et éventuellement d'autres pairs d'autres régions du monde pour promouvoir l'échange d'expériences, l'apprentissage par les pairs et l'échange de bonnes pratiques. Donc l'apprentissage par les pairs notamment, c'est un outil dans lequel l'OCDE croit beaucoup et qui est assez efficace pour lutter contre la corruption, ainsi que évidemment le dialogue public-privé qui est aussi promu dans cette plateforme. Par ailleurs, dans notre coopération avec les pays MENA, nous faisons aussi beaucoup de sensibilisation, de awareness raising, et auprès à la fois des décideurs publics, des autorités, des agences anticorruption, mais aussi là encore auprès des associations d'entreprises, des entreprises, et avec l'aide de la société civile aussi des différents pays. Et enfin, on fait également du renforcement de capacité de manière bilatérale dans ce domaine de la lutte contre la corruption.